Ouais, j'ai Chers compris. amis, bonjour à tous et merci de votre fidélité pour nos émissions du dimanche. Je rappelle tous les dimanches ou presque une émission vers 11h du matin. Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir à nouveau Pierre Hilard. Bonjour Pierre. Bonsoir Sylvain, merci de me recevoir. Bah avec un grand plaisir, tu as beaucoup d'actualités en ce moment, dont la sortie de ton premier livre en tant qu'éditeur finalement, puisque c'est une auto-édition chez Book Edition. Oui. Les mémoires de Gontaut-Biron, avec donc une préface de ta part, intitulée Le Vicomte de Gontaut-Biron ou La vraie dissidence. Donc c'est un livre qui est disponible sur le lien que vous verrez sous la vidéo, qui coûte 27 euros. C'est un pavé hein, qui fait ses 600 pages, et vous le découvrirez sur le site du Verbeau en duo avec le livre de Jacques Bainville, que Pierre Hilard a également préfacé. On pourrait dire que c'est le tome 1 et le tome 2. À peu près, on va en discuter. Et vous l'avez sur le site à prix réduit, avec frais de port réduits. Alors ma première question est toute simple. Ça peut être étonnant en 2024 de vouloir rééditer ce type d'ouvrage. Alors tout simplement, pourquoi Pierre as-tu souhaité porter ce livre à la connaissance du public français de 2024? Alors d'abord, j'ai connu, si je puis dire, le vicomte de Gontaut-Biron, qui est mort en 1890, suite à une lecture du livre de Jacques Bainville consacré à Bismarck. Et il présentait quelques extraits des mémoires du vicomte de Gontaut-Biron. Et ces extraits m'avaient marqué par l'acuité, l'intelligence de cet homme, qui était donc le premier ambassadeur de France à Berlin. Après la défaite militaire des Français à Sedan avec Napoléon III en 1870. Puis les années ont passé, et c'est en relisant quelques extraits un jour de Bainville que je suis tombé sur donc Gontaut-Biron. Et là, je me suis dit, il faut que je récupère ces mémoires qui sont sorties après sa mort. Donc, je rappelle, Gontaut-Biron est mort en 1890. Il avait entamé ses mémoires, la mort est arrivée un peu trop vite. Et ses mémoires ont été publiées avec l'aide de sa famille en 1906. Donc c'est un vieux livre fatigué que j'ai récupéré. Et à la lecture de ses mémoires, j'ai été véritablement emballé. Pourquoi? Bah parce que il expose donc le début de son séjour en tant qu'ambassadeur à Berlin à partir de janvier 1872, en sachant qu'il restera ambassadeur jusqu'en 1877. Et c'est très moderne. Pourquoi? Parce que c'est une photo du mondialiste de l'époque avec un Gontaut-Biron, aristocrate légitimiste, qui est confronté à un homme de génie qui s'appelle le chancelier Bismarck et qui est un représentant du mondialisme de l'époque, mais la vulgarité de Cohn-Bendit en moins. C'est-à-dire que chancelier Bismarck, que j'admire, mais qui est un ennemi, attention, pas de blague, hein, c'est pas parce que j'admire quelqu'un que j'ai obligatoirement de la sympathie. Bismarck est un ennemi farouche. Mais le génie de Bismarck, et c'est aussi le génie du vicomte de Gontaut-Biron, de comprendre que Bismarck veut à tout prix que la restauration ne se fasse pas. Le retour de la légitimité, entre autres, le comte de Chambord. Et j'ai donc fait une longue préface qui fait un peu plus de 40 pages. Et Gontaut-Biron, le vicomte de Gontaut-Biron se rend compte que Bismarck veut à tout prix la République, mais pas la République vulgaire à la Gambetta. Il veut la République aux apparences, je veux dire, respectueuses de la bourgeoisie bien-pensante, et je mets des guillemets bien sûr, à la Adolphe Thiers. Comme il le dit, Bismarck, la République conservatrice, c'est-à-dire le poison enveloppé d'un beau papier d'emballage. Et le vicomte de Gontaut-Biron, parce qu'il a reçu une éducation classique et a parfaitement compris le caractère machiavélique, et c'est même l'expression, l'adjectif qu'il utilise pour définir la politique de Bismarck, qui consiste à réinjecter les principes de 89 après 1870 en France, alors qu'il y avait une tentative, une possibilité d'un retour à la légitimité. Et pour cette longue préface, je me suis appuyé sur de nombreux documents, entre les mémoires de Bismarck, qui donc s'intitule Pensées et souvenirs, et qui d'ailleurs n'avait de considération que pour les légitimistes, pas pour les orléanistes, pas pour les bonapartistes. Et c'est vraiment ces personnes-là qu'il respecte, mais qu'il ne veut pas voir au pouvoir en France. Et comme je le raconte, la tête de Bismarck,
quand il voit le vicomte de Montauban arriver à Berlin en janvier 1872, horreur pour lui, c'est le représentant de la partie française qu'il admire, qu'il respecte, mais qui ne veut surtout pas voir victorieuse aux dépens des intérêts allemands. Voilà donc cette raison qui a fait que j'ai voulu enfin rééditer cet ouvrage qui était tombé dans le domaine public, avec une longue préface pour montrer que le mondialisme, qui est une histoire aussi vieille que le christianisme, c'est-à-dire c'est l'ennemi, va prendre un essor grâce à Bismarck, et on continue à goûter le poison, mais là au stade terminal. Alors oui, c'est une longue préface, hein, très très riche de 45 pages, si je ne dis pas de bêtises. Et tu l'as intitulée Où la fausse dissidence, enfin où la vraie Non, dissidence, ou pardon, la justement, vraie. où la vraie dissidence en comparaison avec la fausse dissidence. Donc je voulais savoir vers qui ce message était destiné. Est-ce que c'est la fausse dissidence dans ce qu'on a appelé la dissidence, c'est-à-dire entre guillemets la dissidence Internet, ou est-ce que c'est la fausse dissidence, disons le conservatisme politique qui enrobe les mauvaises idées partent du sport des espèces de faux traditionnalisme ou faux conservatisme, ou c'est les deux? Alors, la vraie dissidence. Montauban appartient à une élite. Alors, quand je dis une élite, il faut pas se faire avoir. Certes, il appartient à un milieu aisé, mais l'élite n'a rien à voir avec l'origine sociale. On peut appartenir à l'élite et être d'origine sociale modeste. Ne surtout pas se faire avoir par l'argent, les diplômes. Mais Montauban, pourquoi il appartient à cette élite? Parce qu'il appartient à cette catégorie des personnes à cette époque qui ne sont pas touchés par le poison révolutionnaire, avec sa présentation qui peut être vulgaire, mais aussi une présentation habile, fine, qui consiste à emmailloter de caractères conservateurs, respectables, etc., de valeurs, mais qui en fait cache un poison. Et le problème, c'est que les principes de la Révolution ont, au fil des générations, du 19e siècle, 20e siècle, et en 2024, n'en parlons pas, éteint la transmission. En fait, la civilisation, dans n'importe quel pays, c'est une transmission de génération en génération. Et le principe de la Révolution française, c'est d'étouffer, d'éteindre et de tuer tout ce qui a trait à la civilisation française née du baptême de Clovis. Et Montauban est l'héritier de cette tradition française classique. Et le problème, c'est que la dissidence de l'époque, au 19e siècle, 20e ensuite et maintenant jusqu'en 2024, est en fait contaminée par des idées, des principes religieux et philosophiques qui sont contraires aux caractéristiques fondamentales de la civilisation française née du baptême de Clovis. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit la vraie dissidence, parce que Montauban appartenait à l'élément vraiment, j'allais dire, pur, tellement pur que Bismarck a tout fait pour le virer, parce qu'il ne voulait surtout pas d'un homme comme lui. D'ailleurs, je termine la préface en rappelant la lettre de Bismarck adressée à un aristocrate prussien qui s'appelait Guido Enkel von Donnersmarck, qui était un personnage très important, puisque je rappelle qu'après la défaite de Sedan en 1870, la France devait entre autres payer 5 milliards de francs or. Et cet aristocrate, donc au service de Bismarck, mais qui était aussi le cousin de Bismarck, était chargé de cette affaire, lui et d'autres. Et la lettre de Bismarck adressée à cet aristocrate prussien après le départ du vicomte de Montauban en décembre 1877, Bismarck disant dans sa lettre que le départ de cet ambassadeur français lui a causé une joie extraordinaire. C'est bien la preuve que l'autre en face devait lui hérisser légèrement le poil. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, il y a des descendants de cette vraie dissidence, ou est-ce que le paysage de la dissidence est vérolé? Ben, le problème, c'est que il y a une volonté sincère parmi les personnes qui appartiennent, ben, qui sont au sein de la dissidence en France, ou du moins, de vouloir combattre l'Union européenne, le wokisme, le truc LGBT, c'est tout à fait honorable. Mais souvent, ces personnes, et de manière assez majoritaire, ne sont plus les héritières comment dire, d'un modèle de civilisation qui s'est arrêté soit au niveau de leurs parents, d'autres des grands-parents,
dos les arrière-arrière-grands-parents, enfin, il y a tous les cas de figure. Et il faut toujours se rappeler du livre, on en a fait un feuilleton, donc Au plaisir de Dieu, qui raconte l'histoire de cette famille aristocratique française au début du XXe siècle, dont on voit tout l'Anjou dans ces coins-là, enfin, en tout cas pas très loin de Paris, et qui est héritière d'une pensée classique. Et c'est Jean d'Ormesson qui a écrit ce livre. Et il y a eu un feuilleton, plusieurs épisodes, fait au début des années 70, qui est très bien fait d'ailleurs, qui respecte bien l'ouvrage. Et qu'est-ce qui se passe? Cette famille qui défendait des bons principes, qui était l'ennemi de la Révolution avec ses conséquences spirituelles et politiques, eh bien, il y a ce qu'on appelle de mauvais mariage, c'est-à-dire l'introduction du libéralisme. Et cela contamine les enfants, la descendance. Et en fait, ce livre et ce feuilleton, donc, pour illustrer l'ouvrage de Jean d'Ormesson, Au plaisir de Dieu, concerne cette famille aristocratique. Mais en fait, quand on s'intéresse au livre, ça concerne toutes les familles françaises qui gravitent autour de cette famille aristocratique. En fait, c'est une photo en réduction de la France des années 1904, 1905, 1906. Et on voit tout au long du XXe siècle une dégringolade avec les enfants du duc, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, il y a même, je crois, c'est l'arrière-petit-fils qui devient trotskiste, pour voir l'effondrement. En fait, c'est un empoisonnement progressif via le libéralisme de l'esprit français contaminé, alors d'une manière moyenne parmi les enfants du duc, parce qu'il y a encore des principes, mais à la génération suivante, les petits-enfants, eh ben l'un devient nazi et l'autre communiste, d'où les bagarres. Bon, et il faut toujours se rappeler les propos suite à l'alliance germano-soviétique d'août 1939, qui littéralement anéantit les deux petits-fils du duc, hein, donc Au plaisir de Dieu. Le pro-nazi a anéanti devant Hitler s'allie à Staline et le pro-communiste est anéanti devant son idole Joseph Staline s'allie au nazisme. Et le grand-père qui, lui, a une tournure d'esprit qui le rend, comment dire, imperméable à ses courants idéologiques révolutionnaires, dit à ses deux petits-fils qu'il n'y a pas à s'étonner de l'alliance entre Hitler et Staline parce qu'ajoute-t-il, entre brigands, on se comprend toujours. Eh bien, le vicomte de Gontaut-Biron, c'est ce duc dans le livre. Et lui, il est imperméable à ce que j'appelle les roueries spirituelles, politiques, philosophiques de Bismarck, qui est hors norme, mais qui essaye de réinjecter ce poison. Et le vicomte de Gontaut-Biron, ben, va tout faire pour alerter les dirigeants français, en l'occurrence Adolphe Thiers. Donc, après la défaite de 70, il y a une république provisoire qui est installée en France avec ce qu'on a appelé le pacte de Bordeaux. Et ben, Adolphe Thiers est un conservateur républicain et lui, il va tout faire et faire en sorte que la république finalement perdure. Pas le vicomte de Gontaut-Biron, il prévient, il alerte, mais l'autre en face, Adolphe Thiers, qui est une grande intelligence, il n'a pas le système immunitaire le rendant imperméable à ce type de poison. Et la France va basculer. Et ce que je raconte dans la préface, entre autres avec des explications comme le rôle de la franc-maçonnerie, la bagarre entre la franc-maçonnerie française progressiste face à la franc-maçonnerie prussienne, beaucoup plus tradie, entre guillemets, c'est un degré de poison, hein. Eh bien, on voit malgré tout le programme annoncé, entre autres le programme de la franc-maçonnerie française présenté en 1871, qui annonce l'Union européenne, qui annonce la gouvernance mondiale. Et en fait, tout est là. Et d'ailleurs, c'est Bismarck, en réussissant donc à rétablir, à installer la République en France, je parle du fameux Kulturkampf, qui était, alors c'est difficilement traduisible, c'est le combat contre tout ce qui est la civilisation. Kultur en allemand, c'est plutôt l'aspect civilisation, l'âme du pays. Et Bismarck était violemment anticatholique. Et en enracinant la République en France, en fait, il va instaurer le fameux Kulturkampf
via la Troisième République, qui va empoisonner des générations et des générations de Français, puis ensuite la Quatrième, puis ensuite la Cinquième République. Et la France d'aujourd'hui, c'est, enfin, la population française, sa tournure d'esprit, c'est en fait une tournure d'esprit héritière des ambitions de Bismarck, qui voulait donc balancer le poison contre la civilisation française. Et c'est Montaubiron qui dit à un moment donné dans ses mémoires, je le cite, c'est page 37, cet extrait, il, Bismarck, préférait donc de beaucoup la République conservatrice, c'est-à-dire un état de choses d'apparence fort convenable, mais dissolvant de sa nature, conduisant selon lui au résultat recherché, qui était d'affaiblir la France immanquablement, quoique insensiblement, sans crise violente et sans ces effervescences qui traversent les frontières. Donc l'habileté de Bismarck, c'est de balancer un poison, mais un poison atténué, mais assez virulent pour jouer sur le temps long. Et c'est ça que comprend Gontaut-Biron. En fait, le poison que balance Bismarck, c'est le poison mondialiste, destructeur de l'âme française, qui veut détruire, qui veut déraciner, etc. Et Gontaut-Biron l'a parfaitement pigé, le problème, mais ben, il n'a pas pu, comment dire, si, il a pu alerter, mais il n'a pas pu convaincre, la classe politique française, et nous en payons encore les conséquences. Oui, il y a un peu la même figure que Jacques Bainville, la figure un peu de Cassandre qui n'est pas crue par ses contemporains. Alors, comme tu as parlé Oui. du livre de Jean d'Ormesson, j'en profite pour le dire et le redire que tu en parles beaucoup dans la Oui. postface du livre d'Alexis Chevarnet, donc, que vous connaissez tous, puisqu'il tient la chaîne des Paluches et des Bouquins, que je vous invite pour ceux qui ne connaissent pas à visiter. Je mettrai un petit lien en dessous sous la vidéo. On en profite pour le saluer. Et donc, Oui, alors je rappelle que j'ai fait la postface du livre d'Alexis. Et pourquoi j'ai voulu le faire? Parce que l'auteur a présenté l'image de la France traditionnelle. Là, ce sont des personnes d'origine sociale modeste, mais de la même mentalité même mentalité que celle du vicomte de Gontaut-Biron. C'est ça que les personnes qui nous écoutent doivent bien comprendre. Ça n'a rien à voir avec l'origine sociale. Vous avez des personnes d'origine sociale aisée, d'autres classes moyennes, d'autres classes modestes, mais peu importe, elles ont il y a une communion de pensée et les mêmes valeurs. Et l'ouvrage d'Alexis montre cette France telle qu'elle était avant, il y a plusieurs générations, et qui est quasiment morte. C'est pourquoi j'ai souhaité faire cette postface, et donc j'encourage les personnes à acquérir le livre d'Alexis pour avoir une photo d'une France qui a été détruite par la République via, entre autres, le chancelier Bismarck. absolument. Alors, rentrons un peu dans la, dans, un peu plus précisément dans ta préface cette fois-ci du livre que je remonte, donc que tu as édité et préfacé. Alors, on ne va pas tout dire parce que l'objectif de la vidéo, c'est d'inviter les gens à lire le livre, c'est ça le plus important. Mais tu parles de deux thématiques qui vont intéresser nos auditeurs. Évidemment, la force de la banque, avec des banquiers particuliers, et le rôle de la maçonnerie. Moi, j'ai découvert des choses en lisant ta préface, comme à chaque fois. Mais il y a des choses, je pense, que le public français ne connaît pas. Alors, est-ce que tu veux parler de certaines choses et pas d'autres? Je te laisse le choix, parce qu'encore une fois, il ne faut pas tout dire dans ces vidéos. Mais le rôle de la banque par rapport à Bismarck, c'est assez important. Et ce rôle de la maçonnerie, même, tu remontes jusqu'à De Gaulle. Alors, je te tends une perche, tu la prends ou pas, mais c'est comme tu veux. Alors, je vais essayer de dire certaines choses, mais m'arrêter au milieu du gué pour permettre, quand même, aux personnes qui nous écoutent, ben, d'acquérir le bouquin, en sachant qu'il y a de nombreuses références, parce que ça va de soi que tout ce que j'ai mis a pour objectif d'être prouvé d'abord. Bon, alors d'abord, j'ai évoqué il y a quelques minutes la rivalité entre la franc-maçonnerie allemande et française. Alors, je ne vais pas tout dire, simplement, il y a une bagarre dans le degré du poison. Les Français étaient beaucoup plus en pointe que les Allemands. Et la franc-maçonnerie française, alors je viens préciser une chose, je me suis appuyé sur des documents maçonniques émanant du Grand Orient de France. Un ouvrage d'ailleurs d'un certain Combes, dont le livre a été préfacé par l'ancien grand maître du Grand Orient de France qui s'appelle Ragache, pour vous dire que je ne me suis pas appuyé sur, je ne sais pas quel journal dit d'extrême droite, je me suis appuyé sur
sur des livres, des références émanant de la maçonnerie française. Donc, c'est eux qui le disent. Hein, bon. Et donc, c'est intéressant de voir la maçonnerie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu au cours de l'année 71 un événement capital qui a conditionné aussi la politique de Bismarck et puis aussi le comportement du vicomte de Gontaut-Biron lorsqu'il est ambassadeur à Berlin. C'est du mois de mars au mois de mai 1871, la commune qui va faire environ 20 000 morts, donc à Paris et puis autour de Paris, et qui en fait une révolte j'allais dire du peuple parisien, mais une révolte qu'on peut comprendre, c'est-à-dire un peuple qui est soumis aux lois finalement de la Révolution. Je rappelle que la Révolution de 1789 a supprimé les protections du monde ouvrier, les lois Le Chapelier, etc. Et donc l'ouvrier du 19e siècle a été pressuré, lui, sa femme et ses enfants. Et je précise aussi une chose, c'est que malheureusement, les hommes d'Église au 19e siècle, sauf exception, j'ai cité quelques noms parmi ces exceptions, les hommes d'Église en France, ben, n'ont pas vu clair. Et il faut imaginer le patron qui faisait travailler 16h, 17h, ses employés dans les mines ou dans le textile, jusqu'à faire travailler des enfants de 9-10 ans. Eh bien, quand l'ouvrier retrouvait son patron à la messe, qui lui allait communier, et que le prêtre lui ne disait rien, eh bien l'ouvrier, il avait le droit de se révolter. Et d'ailleurs, ça fait le lit du communisme. Pourquoi le marxisme-léninisme a marqué la classe ouvrière française, italienne, espagnole, etc.? Parce que le clergé de cette époque, sauf exception, a raté. Et donc la place a été libre, en particulier à l'idéologie maçonnique, et c'est là, on en revient à la préface que j'ai faite, où les auteurs maçonniques que j'ai cités expliquent que les dirigeants de la commune étaient très largement maçons. Mais oui, ils se sont appuyés sur un peuple révolté parce que pressuré, et donc bah, il faut peut-être pas s'étonner des conséquences. Et Adolphe Thiers, qui avait l'esprit de la Révolution, mais le côté conservateur, eh bien, va réprimer dans manière très sanglante cette révolte. Et Bismarck aura toujours cette crainte de voir les presses de 89, mais la manière vulgaire à la Gambetta prend le dessus. Donc, pour Bismarck, l'homme idoine, c'est Adolphe Thiers. C'est-à-dire le poison, mais le poison respectable de la bourgeoisie bien-pensante. Je dis toujours avec des guillemets parce qu'elle est évidemment mal-pensante. Et donc c'est ça que j'explique. Et la franc-maçonnerie va donc se diffuser et continuer au cours de la Troisième République, quatrième, cinquième. Et j'explique qu'il y a un homme qui va jouer un très grand rôle dans le rétablissement des principes de 89 et de la maçonnerie. C'est le général de Gaulle qui va, par une ordonnance du 15 décembre 1943, rétablir la maçonnerie, qui donc sera rétablie réellement après la libération, après donc à partir de la enfin, deuxième moitié de l'année 1944, et que pour cela, il va avoir de Gaulle l'appui de la maçonnerie, et j'ai trouvé le nom du grand maître de la Grande Loge de France, qui s'appelait Michel Duménil de Gramont, et qui était appelé le maçon de Gaulle. Alors, je tiens à préciser que le document que j'ai utilisé, c'est un document maçonnique qui a été élaboré par le grand maître du Grand Orient de France et le grand maître de la Grande Loge de France, pour vous dire que je me suis appuyé sur leurs travaux. Et ces deux personnages rendent hommage à de Gaulle qui a rétabli les principes maçonniques de 89 et donc réinjecté le poison. Donc, pour dire que finalement, d'une certaine manière, il y a Bismarck, puis ensuite de Gaulle. En 2024, ben maintenant, l'esprit français, mais pareil en Espagne, pareil dans tous les États européens, c'est liquéfié. En fait, bien comprendre qu'il y a une rupture, l'élément clé que les personnes doivent comprendre et bien saisir, c'est qu'il y a une rupture dans la transmission de la civilisation, des caractéristiques de la civilisation française. Cette transmission s'est faite sur des siècles et des siècles, peu importe l'origine sociale,
la brisure, vraiment, ça commence au sein des élites françaises au XVIIIe siècle, parce que c'est la Révolution est arrivée en 89, ce qu'il y avait avant, des loupés, des hoquets, la chose explose en 89, ça s'accentue au cours du XIXe siècle, et le drame, et c'est en particulier le cas dans la dissidence française-italienne, parce qu'il y a toujours des personnes qui cherchent à s'opposer au système, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont les héritiers d'un monde, enfin, qu'ils se prétendent les héritiers d'un monde, mais en fait, ils ne sont pas ces héritiers. Ils n'ont pas gardé les structures mentales, la mentalité, la psychologie, le langage, la manière de vivre la vie de tous les jours. Et Gontaut-Biron appartient à cette catégorie encore rescapée. Et Bismarck, lui, bah, il est allé au hachoir, mais avec habileté. Et malheureusement, il a réussi. Oui, puis Bismarck joue pour ses intérêts quelque part. On a deux pays, un pays qui joue contre ses intérêts, parce qu'ils ne les ont pas compris, ou ils les ont Oui. oubliés, et un pays qui joue pour ses intérêts de manière claire. Alors il nous reste déjà. Bismarck, pardon Sylvain, Bismarck avait une formule, il avait dit à cette époque, je ne suis pas là pour faire le bonheur de la France. Non, on peut effectivement respecter ses ennemis, hein. Moi, je trouve ça tout à fait même sain. Oui. Sans évidemment fantasmer non plus trop loin. Oui. Il nous reste déjà plus que 8 minutes. J'aurais aimé qu'on fasse le lien entre ces deux Avec les conséquences, avec les oui. conséquences politiques de la paix, parce que le lien est réel. D'ailleurs, tu renvoies souvent, enfin quelquefois, dans ce livre-là. Donc je le remontre à l'écran, disponible sous la Dans vidéo. cette préface de Gontaut-Biron, je commence en citant l'ouvrage magistral de Jacques Bainville, Les conséquences politiques de la paix, dont j'ai fait la préface, où Bainville, en fait, est dans. Alors, Bainville, avec l'immense, tu sais bien, l'immense admiration que j'ai pour lui, Bainville n'a pas l'esprit catholique d'un Gontaut-Biron. Bainville est agnostique. Donc, il y a ce petit. En fait, on pourrait même dire que Bainville est déjà une victime du système, mais son extrême intelligence, sa finesse et la droiture de son âme, tous ces éléments permettent à Bainville d'écrire cette œuvre magistrale, Conséquences politiques de la paix, et de rendre hommage, entre autres, dans son ouvrage qu'il a écrit donc sur Bismarck, rendre hommage au vicomte de Gontaut-Biron. Donc, finalement, c'est ça que j'ai voulu expliquer, c'est que le vicomte de Gontaut-Biron, dans l'ambassade de France à Berlin de 1872 à 1877, annonce les malheurs qui vont s'abattre sur la France si on ne change pas de politique. Et l'ami Bainville est là, dans ses conséquences politiques de la paix en 1920, pour expliquer ben, que Gontaut-Biron déjà avait raison et que si on continue, ça va être encore pire. Ben, c'est là où Bainville, Jacques Bainville, annonce finalement la guerre de 40. Et notre raclée phénoménale. Donc, en fait, il y a vraiment, j'allais dire, une généalogie, quoi. Le livre de Bainville, tome 1, Les Mémoires de Gontaut-Biron, tome 2, bah, ça va ensemble. Son jumeau. Bah Pierre, merci beaucoup. C'est volontaire, hein, que les auditeurs comprennent bien, on a survolé les choses. C'est volontaire parce qu'il faut qu'on arrête de tout dire maintenant dans les vidéos, il faut que les gens se mettent à lire. Donc c'est l'objectif Oui. de ces vidéos-là. Donc je vous conseille vraiment de lire ces deux livres. Vous commencez par celui qui vous convient, mais ces deux livres sont disponibles chez nous. En plus, on fait des efforts au niveau prix et au niveau même prix du frais de port, mais on fait vraiment au maximum. Donc Pierre, je te laisse le dernier mot. Je souhaite à tous un bon dimanche et Pierre, bah, tu as le mot de la fin, tu as encore 1 ou 2 minutes si tu le souhaites. Je te dis à bientôt. Bon, ben c'est. Je tiens à dire, c'est que certes, on peut tenir des propos assez pessimistes sur la situation actuelle, mais ne jamais oublier que la roue tourne, mais elle ne peut tourner que suite à des événements douloureux. Là, il faut que les gens arrêtent de croire en la vertu, entre guillemets, de la démocratie. Le système actuel est issu des principes du 89, il est verrouillé, il n'y a rien à attendre. Et donc, les lectures, par exemple, les livres que tu édites aux éditions du Verbe-Eau, eh bien, ces livres-là sont là pour réveiller, réinjecter, j'allais dire, le bon produit pour secouer la torpeur qui assaille des générations et des générations de Français. Et donc, j'invite les personnes qui nous écoutent à lire ces ouvrages qui permettront de se désintoxiquer du poison qui a été instillé depuis des générations.
Sinon, ben, sinon, si ces personnes ne sont pas en mesure de faire cet effort, qu'elles ne se plaignent pas de la situation actuelle, elles y participent. Eh bien, ce sera le mot de la fin, vif, mais c'est comme tu l'as dit, je suis tout à fait d'accord. Arrêtons de nous plaindre et au boulot, agissons. Et c'est déjà l'action, c'est déjà se transformer, enfin se changer soi-même et essayer Exact. d'accepter que par humilité, que nous avons besoin de ces petites touches de contrepoison par des lectures, mais pas que, hein, évidemment. Donc Pierre, je te Entre autres. remercie encore d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu as des événements à nous annoncer, des dédicaces, des conférences? Non, pas pour le moment, non, c'est tranquille. Et bien Voilà, entendu. Bon. si je puis dire. Et bien, je te dis à très bientôt et je souhaite à tous bonne lecture et bon dimanche. Merci Sylvain, bonsoir.